Bonjour tout le monde. Donc là, je vais faire une vidéo pour une ouverture de courrier pour mon concours de Noël. Donc je viens de recevoir ça de Martine. Donc je sais pas si je peux dire ton nom, mais Martine D. De toute façon, tu te reconnaîtras quand tu verras ton petit courrier. Donc elle m'a mis dans du petit papier cadeau comme ceci. Je trouve trop mignon. Et elle m'a mis sa petite carte. Je crois que c'est tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Elle trouve magnifique. Avec le sapin comme ça. Je sais pas comment tu l'as fait, mais en relief comme ceci. Vraiment très très sympa. Donc elle m'a écrit un petit mot. Donc oui, elle me plaît. Elle est vraiment très très sympa ta carte. Et elle me dit que elle scrape depuis le mois de juillet. Donc depuis quelques mois. Et elle n'a pas beaucoup de matériel. Ben, franchement, t'as pas beaucoup de matériel, mais tu m'as fait une très très belle carte. Franchement, elle est vraiment magnifique. Avec la petite étoile là. Enfin, la grosse étoile. Elle est vraiment très belle. Je sais pas comment t'as fait ton sapin, mais il est vraiment très très beau. Un livre comme ça, je vais te piquer ton idée. Je pense que je vais te piquer ton idée quand je saurai comment tu l'as fait. Et elle me dit qu'elle aime beaucoup ma chaîne et que je parle très calmement et que ça la détend. Bah, je suis ravie que ça te détende. Après, je suis quelqu'un de calme en fait, très discrète, donc même timide plutôt. Donc voilà, je suis ravie que ma chaîne te plaise et franchement, ta carte est vraiment très très belle. Donc là, je fais du rangement dans ma scrap room parce que là, c'est vraiment le bazar. Mais après, je mettrai quelques-unes de vos créations. Mais là, pour l'instant, j'ai vraiment pas de place. J'ai pas envie de vous montrer le bordel que c'est. Donc, mais après, j'accrocherai quelques-unes de vos créations. Enfin, j'accrocherai, je poserai, parce que j'aime pas accrocher, ça abîme les créations. Alors, par contre, ah oui, il est là, mon petit pot. Donc, j'ai pris le petit pot. Par contre, je sais plus au numéro combien j'étais. Le petit papier, je sais plus combien j'étais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, au numéro 9, donc Martine, tu sors le numéro 9. T'as pas de chaîne, je crois. Je crois que tu m'as pas mis. Non, donc je crois pas que t'as de chaîne. Si t'en as une, dis-le-moi. Je le mettrai dans la description comme ça. Donc, alors, ce sera Martine. Je vais cacher parce que pas que vous voyez ton adresse. Martine D. Tu seras le numéro 9. Je prépare l'autre après le 10. Ouais. Martine D. Voilà. Je te mets dans la petite boîte. Donc je te souhaite bonne chance. Excusez-moi, mais je suis un peu malade aujourd'hui. Je t'ai mis dedans. Voilà. Donc merci pour ta petite création. Franchement, elle me plaît énormément. Ah si, t'as une chaîne la souris. J'avais pas vu, tu l'as marqué sur l'enveloppe. J'avais pas vu, désolé. Donc elle a une chaîne, c'est la souris. Faut que je pense à la marquer sur la description. Parce que j'ai tendance à dire les choses et d'oublier le marquer. Donc voilà, la souris. Ensuite, j'ai reçu un autre courrier de Michel, je crois. Michel C. Je n'ai pas les noms de famille. Tu vas reconnaître ton petit courrier, je pense. Tac. Hop, 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 hop. Donc, j'ai vu ça, la petite enveloppe comme ça. J'adore. En fait, j'adore ce nounours-là, Teddy Bear. J'adore. Donc, non. Je ne vais pas la réutiliser, la petite enveloppe, parce que je l'adore. Je vais la garder pour moi. Alors, elle m'a mis un mot dedans. Elle m'a écrit un grand grand mot. Comme ceci. Et donc, merci déjà pour ta participation. Et oui, c'est vrai que j'ai vu ton adresse. Et c'est vrai que tu n'habites pas très loin de chez moi. C'est quoi, même pas 10 km? Même pas, ouais, une quinzaine de kilomètres, quoi, même pas.
Donc oui, évidemment, ta création me plaît. Et bah du coup, merci encore pour ton concours. Enfin, pour ta participation au concours. Donc t'aimes pas trop le chenil. Fais-tu un peu comme moi, quoi, tu fais beaucoup, oui, des albums ou des cartes. Moi, oui, c'est vrai que je suis plus douée dans les cartes pour l'instant. J'essaye de nouvelles choses, mais je suis pas. Des fois je trouve pas les idées. Il y a des jours où j'arrive pas à trouver des idées. Et souvent c'est pour des concours que oui, comme toi tu m'as dit. Que tu trouves des idées. Et oui, je suis jeune, j'ai 25 ans. Donc ta participation ne me dérange pas. Il faut de tout âge. Y a pas, j'ai pas de préférence. Moi, j'aime bien justement avoir voilà celles qui ont plus d'expérience. Souvent, voilà quoi, ça donne des idées. Enfin voilà. On peut voir des techniques que nous, on n'utiliserait pas parce qu'on ne connaît pas forcément. Et franchement, non, ça me dérange pas ta participation. D'ailleurs, je l'adore très très. Je l'adore bien, je sais pas comment dire. Je l'adore, elle est vraiment magnifique ta carte. J'ai vu ça là. Elle est vraiment très belle. Et non, ça me dérange pas. Donc voilà. Donc, je sais pas si t'as une chaîne. Donc, si t'en as une, dis-le-moi. Mais je crois que j'ai pas vu que. Je m'a pas marqué, donc je sais pas si t'as une chaîne. Donc voilà sa petite création de Noël. Franchement, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est les. Le fond là, ça doit être les cartes de chez Action. Donc ça se trouve, on s'est déjà croisé un jour. Vu que t'habites pas loin, ça se trouve, on s'est déjà croisé à Action ou Noz. Parce que je croise de quelques scrappeuses, mais ça se trouve, on s'est déjà croisé. Donc franchement, elle est vraiment belle avec. Le petit renne. J'adore tout ce qui est renne. Bonhomme de neige aussi. Voilà. Bon Noël. Donc franchement, merci pour ta carte. Et non, je l'utiliserai pas. Je la garde pour moi. Franchement, je la mettrai quelque part quand j'aurai rangé, comme j'ai dit avant, pour Martine. Quand j'aurai rangé mon Mass Scrap Room, je mettrai quelques petites cartes pour décorer un peu. Mais là, c'est vraiment le bazar. J'ai cumulé les trucs de chez Action et j'ai pas eu le temps de vraiment de ranger parce que je voudrais acheter de nouveaux meubles. Et pour l'instant, bah, j'ai pas forcément les moyens d'acheter les meubles parce qu'il y en a déjà pour plus de 100 euros le meuble. Donc voilà, je préfère acheter quelques petits trucs de scrap que les meubles pour l'instant. Mais là, j'ai trouvé un nouveau travail où je gagne plutôt bien. Donc je pense que. Dès que je vais reprendre le boulot, je vais commencer à acheter d'autres meubles pour ranger. Je vous montrerai ma scrap room. Et voilà. Donc je le mettrai, ta petite carte. Même si c'est pas no plus le thème de. Enfin, c'est plus dans la période de Noël, je la mettrai. Parce que franchement, je l'aime beaucoup. Ta petite carte, elle est vraiment très belle. Avec le tag comme ça et avec le renne et tout. Franchement, je l'aime bien. Donc merci beaucoup. Et j'ai vu que tu m'as gâté avec des petites surprises comme ceci. Donc sur le thème fashion. Très sympa aussi, tout en 3D comme ça. Une petite préférence pour le petit papillon, il est vraiment trop trop mignon. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est papillon. Même ça, franchement, je sais pas où t'as trouvé, mais franchement, il est vraiment très très beau. Des bordures comme ceci, enfin, des guirlandes en dentelle comme ceci, autocollantes. Pailletées, franchement, elles sont vraiment très très belles. Donc, merci pour ça. Et des lettres comme ceci. Donc ça doit venir de chez Action. Hein. Je reconnais un peu un alphabet comme ceci. Donc dans les thèmes rose et bleu, ça peut être sympa aussi. Et elle m'a fait des petits tamponnages. Donc j'ai pas vraiment regardé en détail. J'ai regardé vite fait. Parce que j'aime bien faire la curieuse avant de vous montrer. Hein. Voilà, donc des petits hiboux. Il est trop sympa. Oh, la petite girafe, elle est trop mignonne. Des gorgeous. Hop, j'en ai fait tomber un. Ça, c'est une petite fleur. Oh. Elles sont vraiment sympas.
suis pas vraiment dans le thème gorgeous. Je sais pas ce que je préfère faire parce que j'en ai jamais encore fait. Mais franchement, celles-là sont vraiment très très sympas. Donc encore une petite fleur là. Donc la même. Des petites fleurs. Et là, c'est une fleur. Ça doit être un tampon de sel chez Action, ça, je pense. Oups là. Elle est vraiment sympa celle-là. Donc voilà pour les tamponnages comme ceci. On va les ranger. Hop. Je vais le remettre dans la pochette. Parce qu'il y en a des tout petits. Avant de les perdre. Et elle m'en a fait des plus grands. Comme celui-ci. Ah, on en a remis un autre comme ceci. Ah, celle-là, elle est vraiment sympa. Pour un. Même pour Pâques, ça peut être sympa. Même si c'est pas des œufs qu'elle a dans son petit panier, ça peut être sympa quand même. Et j'aime bien celui-là, franchement, il est vraiment beau. Un cadre comme ceci. On peut le coucher comme ça parce qu'il est vraiment très grand. Avec des fleurs là. Il est vraiment sympa celui-là. Je sais pas où tu l'as trouvé, mais il est vraiment sympa pour un mariage ou quoi que ce soit. Et des étiquettes comme ceci. Très sympa aussi. Ah! J'ai pas de passe avec le pied de l'appareil photo en fait. Pour vous montrer, c'est pas évident. Donc voilà. Je vous le montre couché, comme ça vous verrez. Donc franchement, tu m'as gâté. Fallait vraiment pas. Merci beaucoup pour tes petits cadeaux. Donc à toi aussi, pardon. Alors, la langue qui veut pas parler. Donc à toi aussi, je te souhaite bonne chance pour le concours. Donc tu seras le numéro 10. Donc, Michel, si je me trompe pas. C, je te marque. Voilà, de toute façon, tu vas te reconnaître. Donc, voilà. Le numéro 10. Donc, je te mets dans la petite boîte. Ah, bah, j'avais marqué. Je vais effacer, c'est rien. C'est pas ton nom que j'efface, c'est parce qu'il y avait marqué numéro 9. Je vais effacer pour pas comprendre. Voilà. Donc son nom est toujours marqué, hein, t'inquiète pas. Si je mets à l'endroit, ça ira mieux. Donc voilà. C'est parce que en fait j'avais déjà préparé des papiers, mais j'avais pas vu que c'était marqué de l'autre côté. Donc voilà, je te mets dans la petite boîte. Voilà. Donc déjà 10 participations. Donc merci à déjà toutes les deux pour votre participation. Et à toutes celles aussi qui ont participé avant vous. Donc bonne chance à vous. Donc il y a deux lots, hein, évidemment. Donc il y aura deux gagnantes. Donc je vais te marquer numéro 10 là, comme ça je serai. Et hop, numéro 9. Voilà, donc, toutes les deux, merci beaucoup. Et donc j'avais, je sais plus si j'ai mis ou pas en ligne la vidéo avec les nouvelles choses que j'ai mis dedans. Donc... je vais remontrer comme ça, vous saurez. Hop. Donc il commence à y en avoir. Et je vais en recevoir, je crois, encore un ou deux ou trois encore choses. Mais bon, avec AliExpress, il faut pas être pressé. Hein. Donc j'avais rajouté, je vous avais montré des petites. Une petite perforatrice comme ceci, donc de chez Action. Je voulais en mettre deux, mais le problème dans le paquet, il y en avait une de cassée. Donc du coup, ça en fera une chacune. Un petit lot de petites étoiles comme ceci en bois de chez Action, donc dans le thème de Noël. Bon, après, il n'y a pas forcément que le thème de Noël, parce que j'avais envie de diversifier un peu. Donc, on va commencer par ça. Un petit tampon comme ceci. So sorry, ça peut être sympa. Ensuite, en tampon, j'ai mis... donc le tampon comme ça de Noël de chez Action, parce que comme il y a le sapin, je voulais un peu aussi dans le thème de Noël hein, quand même. Celui-ci. Par contre, l'autre lot ne sera pas. Ce sera pas le même tampon, mais un peu dans le même genre. Donc j'ai mis deux dice bordures. Donc il se peut que vous les avez déjà, mais bon. Au pire, vous ferez des échanges avec. Donc deux bordures comme ceci. Donc un avec des feuilles. Un avec comme de la dentelle, enfin voilà comme des nappons, de la dentelle comme ceci en PVC, des feutres, donc ceux-là ils sont verts, dans l'autre lot ils seront bleus,
des feutres à alcool, évidemment. Donc, un paquet de stickers comme ceci en feutrine de Noël de chez Action. Ensuite, un lot de pochoirs comme ceci de chez Noz. Donc vous avez des petites bordures ici. Ici, c'est dans le thème des flèches. Ici, vous avez un papillon. Enfin, voilà, des mots comme imagine, love, enfin, create, un peu. Voilà. Donc, il y a quatre petits pochoirs dedans. Des dies de chez Action, le dernier. Donc, il y en a qui n'ont peut-être pas forcément trouvé. J'ai pris celui-ci comme une arabesque. Celui-ci avec le Père Noël et le nounours. Une autre arabesque. Je la trouvais vraiment sympa celle-là. Donc voilà. Comme ce petit papillon aussi. Celui-ci dans le thème de Noël. Une boule à neige aussi. Enfin, une boule de sapin. Dans le thème de Noël. Ensuite, un petit papillon comme ça. Bah, je vais l'ouvrir. Je suis désolée. Parce que le mien, je ne sais pas où il est. Petit papillon comme ceci. Je le trouvais plutôt sympa. Donc voilà. Je l'ai mis dedans. Je vais le retourner comme ça. Quand il faudra le mettre. Donc je le trouvais sympa. Donc je vous ai mis un petit papillon comme ceci. Et un lot de clés comme ceci. Et là, je vais vous montrer, bah moi c'est le mien, mais j'attends de les recevoir, j'arrive tout de suite. Donc voilà, je vais rajouter aussi, mais là c'est le mien parce que j'ai pas encore reçu les autres. Un moule comme ceci pour faire un cadre, voilà. Et normalement, il y a aussi un dice qui vont arriver. C'est des petites cloches de Noël. Donc je vous le montrerai quand je l'aurai reçu. Et après, je pense que. Je pense que. Je sais pas si je vais rajouter encore un ou deux trucs ou m'arrêter là, je sais pas encore. On verra, ça sera peut-être la surprise. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc je remercie. Je remercie toutes celles qui m'ont envoyé une petite création. Donc franchement, elles sont vraiment magnifiques. Et bah, je vous souhaite encore une bonne chance. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous à toutes. Et je pense que je vais faire d'autres vidéos quand même avant. Mais je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Parce que c'est déjà dans 4 jours. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre de nouvelles vidéos. Mais... Je vous souhaite de bonnes fêtes, donc un joyeux Noël à toutes, et que cette année qui arrive, là, le 2019, soit encore mieux que celle de 2018. Donc voilà. Donc bonne fête à toutes, et du coup, à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!